Guerre en Ukraine, le piège pour briser l'Union européenne et la Russie. Le narratif officiel occidental fait commencer la guerre en Ukraine le 24 février 2022 par une agression de la Russie dont l'objectif serait de reconstituer l'URSS. Cette explication, qu'on entend depuis maintenant plus de 6 mois, satisfait la partie du public qui n'aime pas réfléchir. Mais les autres savent que pour comprendre la portée de cette guerre en Europe aux conséquences économiques désastreuses pour les pays européens, il faut aller chercher derrière le narratif des gouvernements et des médias du système. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du but secret de la stratégie américaine qui, en 20 ans, a rendu la guerre en Ukraine inévitable. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, ce but stratégique de première importance est de casser définitivement les reins de la Russie et de mettre l'Union européenne dans la main des États-Unis. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'aggrave, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle les vidéos ne risquent pas la censure. Pour comprendre les buts cachés dans les relations internationales, il faut regarder les actes et leurs résultats et ne pas trop écouter les déclarations officielles, nécessairement propagandistes. Alors, quel est le résultat de la guerre en Ukraine après plus de 6 mois de combat? La Russie a dominé le champ de bataille, mais difficilement. D'ailleurs, la contre-offensive ukrainienne en cours, dont on ne connaît pas encore véritablement l'ampleur ni le degré de succès, compte tenu de l'aspect propagandiste à sens unique et porte-parole du gouvernement ukrainien, de l'ensemble de nos médias et des médias occidentaux, de la quasi-totalité des médias occidentaux. Mais il semble bien, d'ailleurs les Russes ne le demandent pas, que l'offensive ukrainienne rencontre depuis quelques jours de très grands succès. Nous verrons, je pense, dans peu de temps, ce qu'il en est réellement. Quels que soient les résultats prouvé de cette offensive, tout cela montre que l'Ukraine est militairement un pays très coriace. Vu du gouvernement russe, le spectre de l'enlisement en Ukraine ne peut pas être écarté, et même de moins en moins écarté. Regardons maintenant la situation de ce belligérant qu'est l'Union européenne avec ses pays membres. J'avais annoncé dans une vidéo en mars, donc au début de la guerre, que la guerre économique contre la Russie mettrait l'Union européenne à terre, parce qu'elle serait privée d'énergie et de matières premières, compte tenu du rôle essentiel de la Russie dans nos fournitures en énergie diverse et en matières premières. À l'époque, beaucoup ne l'avaient pas compris, prenant pour parole d'évangile les déclarations de Macron et du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Rappelez-vous, Bruno Le Maire avait déclaré qu'il allait détruire l'économie russe et la finance russe. Ou tout simplement parce qu'ils étaient aveuglés par la propagande des médias officiels. Avec l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, conséquence de la fermeture des robinets de gaz russe, il est temps qu'ils comprennent que cette guerre économique contre la Russie s'est retournée en une guerre contre les populations de l'Union européenne. Les gouvernements de l'Union européenne ne nous proposent pour notre chauffage cet hiver que le choix entre le rationnement et les coupures de gaz. Cela s'annonce donc mal. Les semaines qui viennent vont être marquées par l'aggravation de l'inflation à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Nous n'avons pas encore tout vu. Poutine peut augmenter le stress sur les économies de l'Union européenne en réduisant encore les livraisons de gaz. Nous sommes focalisés sur le gaz parce que son utilisation comme arme par Poutine a pris à contre-pied les dirigeants de l'Union européenne. Ils croyaient, les pauvres malheureux, que l'Union européenne, dépendant du gaz russe au point où elle l'est, pouvait impunément se permettre de menacer la Russie de ne plus lui acheter son gaz. Poutine leur a montré qu'il pouvait les aider en fermant lui-même les robinets du gaz. Pas plus que nos dirigeants de pacotille n'avaient anticipé la coupure du gaz, ils n'anticipent la coupure du pétrole et celle du charbon.
Ils ont même commencé un embargo progressif. On reste donc dans cette inversion de la réalité qui consiste à faire, alors qu'on est en situation de faiblesse du point de vue des énergies par rapport à la Russie, à faire comme si c'était nous qui tenions le manche du bon côté. Ils n'ont donc pas tiré la leçon de l'embargo sur le gaz qui n'est retombé dessus depuis le début de l'été. Il s'est bien inspiré d'y penser parce que la part du pétrole et du gaz russe dans nos besoins est de 30 à 50% à l'Union européenne. Cela varie bien sûr selon les pays. Mais imaginons que les fournitures de pétrole et de charbon russe soient plus ou moins stoppées comme pour le gaz. Combien de temps l'économie des pays de l'Union européenne mettrait-elle pour s'effondrer? Un mois, deux mois? La réponse est le temps d'épuiser nos stocks d'énergie. C'est-à-dire c'est une affaire de quelques mois qui est variable selon la nature des stocks. On peut penser que dans un délai de quelques semaines à deux mois, la situation serait désespérée pour l'économie européenne. Je l'expliquais en juillet dans une vidéo, désormais l'Union européenne est dans la main de Poutine. La transformation du gaz en arme économique montre clairement qu'en parallèle à l'affrontement militaire en Ukraine, dans lequel la Russie combat en réalité contre les États-Unis, se déroule un conflit entre l'Union européenne et la Russie. Pour le moment, c'est une guerre économique. Nous avons proclamé vouloir détruire l'économie russe. Nous continuons à le dire avec un ridicule grandissant. Toute la planète comprend que ce sont maintenant les économies de l'Union européenne qui sont menacées de destruction par l'embargo russe sur les énergies, pour l'instant le gaz, et peut-être bientôt le pétrole et le charbon. Pour essayer de s'en sortir, l'Union européenne s'est immédiatement tournée vers qui? Eh bien vers le gaz de schiste américain. Par cette manœuvre, elle a rendu son économie dépendante des États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Ils sont désormais en capacité de nous faire du chantage quand ils voudront nous forcer, par exemple, à les suivre dans telle ou telle aventure militaire. Vous ne voulez pas nous suivre? Ah ben, nous avons des problèmes d'acheminement de notre gaz vers vous, comme actuellement les Russes ont des problèmes pour nous acheminer le gaz à travers les gazoducs. On voit qu'aussi bien pour la Russie, du point de vue de la guerre militaire qu'elle livre, que l'Union européenne, du point de vue que de la guerre économique qu'elle livre, et de plus en plus qu'elle est en train de subir, ce conflit comporte de très grands risques. Pour l'oncle Sam, par contre, cette guerre débouche sur deux bénéfices stratégiques. L'affaiblissement de la Russie si elle perd la guerre ou si celle-ci s'éternise. Et deuxièmement, le resserrement de son emprise sur l'Union européenne, comme on vient de le voir avec l'affaire du GNL, et sa transformation en soldat avancé des États-Unis dans leur guerre de long terme contre la Russie. Justement, c'est à la demande des États-Unis que l'Union européenne s'est lancée dans la guerre économique contre la Russie. Pendant que l'Union européenne se saborde dans une guerre contre le fournisseur d'énergie, d'engrais et de matières premières sur lequel repose sa compétitivité à l'international, que font les États-Unis? Eh bien, ils continuent à acheter à la Russie du pétrole et des métaux stratégiques comme le titane. Le hasard n'existant pas en politique, cet ensemble d'événements cohérents qui amène sur un plateau aux Américains l'atteinte des deux objectifs majeurs que je viens de rappeler, ne peut qu'avoir été organisée depuis longtemps. C'est en tout cas la question qu'il faut vraiment se poser. C'est le moment de rappeler que l'objectif que la politique extérieure américaine poursuit depuis des décennies et qui est de ramener la Russie à un pays de troisième ordre avait été théorisé dans le fameux livre « Le grand échiquier » du géostratège américain bien connu Zbigniew Brzezinski, qui a conseillé les dirigeants américains depuis le président Carter. C'est dire que Brzezinski, intellectuel de très haut niveau, a exercé une influence considérable et sans doute décisive sur l'orientation de la politique étrangère et militaire américaine depuis pas plus 50 ans, car il est décédé il y a quelques petites années, mais en tout cas pendant les décennies cruciales que nous avons connues à la fin du XXe siècle et au début, pendant les 15 premières années de ce siècle. Il expliquait notamment que si les États-Unis parviennent à arracher l'Ukraine à la sphère stratégique russe, alors la Russie, ça serait d'être une puissance européenne et en même temps une puissance eurasiatique, et du coup une puissance mondiale. Sur la fin de sa vie, il avait
paraît-il, changé son analyse, revu cette analyse, et considéré désormais que essayer de détruire la puissance russe était une folie. Peut-être avait-il été visité par les fantômes de Hitler, Napoléon et de Charles XII de Suède, qui chacun sur les trois derniers siècles s'était cassé les dents de manière dramatique en Russie. Ce qui se passe en Ukraine depuis 2002 montre que Biden et l'État profond américain, eux, en sont restés au grand échiquier. Mais pour rester maître du monde, il ne suffit pas de réduire le poids géopolitique de la Russie. Comme d'ailleurs, il faudra, il pense déjà, à réduire le poids géopolitique de la Chine. Il faut aussi une Union européenne qui ne puisse jamais faire d'ombre aux États-Unis. Il faut donc une Union européenne totalement vassalisée, c'est-à-dire encore plus vassalisée qu'elle ne l'était avant la guerre d'Ukraine, et donc avant qu'elle ne se coupe, de la manière la plus stupide qui soit, des fournitures énergétiques russes pour les remplacer par des fournitures américaines. Et si tel est bien l'objectif des États-Unis, entraîner l'Union européenne dans une guerre économique contre la Russie est simplement génial. L'histoire dira un jour, et ce sera une grande révélation, pourquoi les dirigeants de l'Union européenne ont pu accepter de suicider l'économie des pays dont ils ont la mission de préserver l'avenir. Pour le plan géostratégique américain en cours, l'idéal serait une confrontation militaire entre la Russie et l'Union européenne. Pour nous, ce ne serait pas l'idéal. Mais dans leur suivisme aveugle des États-Unis, les dirigeants européens continuent à faire vivre ce risque en armant l'Ukraine. Et ce qui est plus belligène, en envoyant nos militaires former ces soldats. Et au vu des résultats de l'offensive ukrainienne en cours, de la contre-offensive ukrainienne en cours, on peut se dire que, donc des progrès considérables que l'armée ukrainienne a fait depuis le début de la guerre, on peut se dire que la formation diligentée par nos soldats, donc par l'armée française entre autres, pour faire la guerre à la Russie est efficace. Pour Poutine et le gouvernement russe, nous sommes de fait des co-belligérants. Donc nous sommes exposés à tout moment à ce que la Russie nous traite comme des agresseurs directs. Espérons donc ne pas nous retrouver dans une vraie guerre face à la Russie. Même sans une telle catastrophe, le désastre économique frappe déjà l'Europe avec le coup d'arrêt aux industries porté par la pénurie de gaz russe. D'ailleurs, les spécialistes des énergies interrogés par les divers médias expliquent que, premièrement, l'offre mondiale de gaz n'est pas suffisante pour pallier à la diminution des quantités mises sur le marché par la Russie, et deuxièmement, le gaz que nous importons de divers pays en substitution à ce que nous achetions directement russe, parmi ces pays l'Inde, l'Azerbaïdjan, grande démocratie, grande culture de la défense des droits de l'homme, voire l'Arabie Saoudite, également grande démocratie et grande tradition de la défense des droits de l'homme, pays infiniment plus démocratique et respectueux des droits de l'homme que ne l'est la Russie, chacun le sait bien, eh bien ce gaz provient en fait de Russie. Mais nous le payons maintenant beaucoup plus cher qu'avec les contrats à long terme à prix d'amis que nous avons avec les Russes. Ce qui se passe, c'est que le gaz russe ne nous est plus envoyé directement, puisque à force de dire que nous ne voulions plus, eh bien, Poutine donc a cessé de nous l'envoyer, mais il est envoyé vers l'Inde, l'Azerbaïdjan, la Chine, comme il était précédemment, mais en quantité plus importante, de sorte que ces pays, qui lui fassent subir un traitement ou pas, donc qui l'apporte telle ou telle amélioration chimique ou physique, qui justifierait qu'il prenne une marge au passage, de toute façon, ces pays sont en situation de force par rapport à la fourniture de gaz vis-à-vis de l'Union européenne et ils ne se gênent pas pour prendre des marges extrêmement conséquentes qui viennent plomber la compétitivité maintenant de nos entreprises. Et c'est là un nouveau moteur de l'inflation dans l'Union européenne. Tout comme d'ailleurs le GNL américain, lui aussi plus cher que les Américains se sont donc empressés de nous vendre pour officiellement nous délivrer de la dépendance russe. Et surtout pour atteindre le deuxième objectif de leur stratégie, qui est de nous mettre en coupe réglée. Les industries européennes les plus consommatrices de gaz, enfin tout ce qui, les industries métallurgiques, le verre, enfin bref, tout ce qui demande d'être chauffé
et donc qui consomment des quantités de calories considérables. L'industrie, dont le prix du gaz multiplié par 15 fait immédiatement exploser le modèle économique, met en ce moment même la clé sous la porte. Celles qui ne sont pas tout de suite en faillite vont essayer de rester compétitives malgré l'explosion de leur poste énergie. Si elles n'y arrivent pas, ce sera aussi la faillite. Si la paix ne revient pas très vite avec la Russie, l'Union européenne sera avant la fin de l'année dans une crise tous azimuts, économique, monétaire, sociale et in fine financière. Pour soustraire en grande partie notre épargne à la destruction par les conséquences à venir de la situation actuelle, la détention d'or, parce qu'elle répond à plusieurs types de risques, en particulier ceux qui s'enchaînent dans un scénario d'effondrement global, est incontournable. J'en parle avec d'autres solutions dans le rapport offert « Défendre son patrimoine en 2022 », accessible par le lien sous la vidéo, et par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, dans les mois qui viennent, le plus grand risque pour les épargnants est l'évaporation de leur épargne par l'effet de l'inflation, elle-même boostée par l'explosion sans précédent des prix du gaz pour les entreprises, ou une ponction sur leur épargne, conséquence d'une crise globale, enclenchée par un embargo russe sur le gaz et les autres énergies. Et n'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. À bientôt.